Nous commencerons ce premier journal par la fin mouvementée de la journée de protestation d'hier. Oui, en effet, hier soir, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés sur le boulevard Caplan pour un happening de protestation qui clôturait donc une journée de perturbation, en particulier dans certaines gares ferroviaires d'Israël. Vers 22h, la situation qui semblait sous le contrôle de la police s'est dégradée rapidement et la police a dû faire usage de ses canons à eau pour disperser des manifestants qui bloquaient le périphérique Ayalon ou tentaient de le bloquer. Plus de 50 manifestants ont été arrêté durant toute la journée. À noter que le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur place, sur le Ayalon. Il a été accueilli par des centaines de manifestants qui l'ont traité, je cite, de terroriste. Enfin, à Jérusalem, des milliers de manifestants ont marché de la Cour suprême vers le quartier de Rehavia où réside Benjamin Netanyahou. La commission des lois de la Knesset a poursuivi durant toute la nuit les votes sur les amendements contre la loi réduisant la clause de raisonnabilité. Oui, en effet, après plusieurs jours de travaux, la majorité parlementaire a repoussé l'immense majorité des quelques 27 000 amendements déposés par l'opposition contre la loi réduisant la clause de raisonnabilité. Il faut souligner que certains de ces amendements étaient totalement factices. Concrètement, la loi est désormais prête à être votée. En tout cas, elle le sera à 11h ce matin après la fin des derniers votes des amendements et elle sera donc prête à être votée par le Parlement israélien en seconde et troisième lecture probablement dimanche ou lundi prochain. Depuis 24 heures, on affirme que des pourparlers visant à nuancer le projet de loi se sont déroulés à l'initiative de Benjamin Netanyahou, mais l'on ne sait pas encore si le document définitif de la loi mentionne une nouvelle version. La visite du président Herzog aux États-Unis maintenant et sa rencontre hier avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Oui, une rencontre d'une heure au cours de laquelle il a été question de plusieurs sujets à l'ordre du jour. À propos de la réforme, le président Biden a affirmé qu'elle rendait plus difficile la progression de processus régionaux importants au Proche et Moyen-Orient. On estime qu'il s'agit en particulier d'une volonté de normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le président Herzog a expliqué à Joe Biden qu'il poursuivait ses efforts afin de trouver une solution à la crise actuelle en Israël. Selon lui, il est possible de parvenir à un accord dans le dialogue entre coalition et opposition. Au cours de la rencontre, il a également été question largement du nucléaire iranien. Aujourd'hui, le président Herzog s'exprimera devant les deux chambres du Congrès américain à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Et puis on a appris, Daniel, ce matin qu'immédiatement après le président Herzog, Joe Biden a reçu dans le bureau ovale une autre personnalité intéressante. Oui, il s'agit du célèbre éditorialiste Tom Friedman, qui on le sait est très proche de Joe Biden. Il s'avère que ce que Biden n'a pas voulu dire ou pu dire à Yitzhak Herzog et la veille à Benjamin Netanyahou, il l'a fait passer très clairement comme un message par Tom Friedman. Et ce message est clair, cessez, dit le président américain aux Israéliens et en particulier à Benjamin Netanyahou. Cessez de voter unilatéralement la réforme judiciaire. Efforcez-vous de parvenir à un consensus national. Si la réforme se poursuit unilatéralement, cela aura des répercussions sur les relations entre Israël et les États-Unis. Et puis on en sait également un petit peu plus sur l'entretien téléphonique d'avant-hier entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Et apparemment, le président américain aurait exprimé le souhait de voir Benjamin Netanyahou dans son bureau ovale à la Maison-Blanche à Washington dans les prochains mois. Quant à Netanyahou, il aurait assuré Biden qu'après le vote en seconde et en troisième lecture de la loi sur la raisonnabilité, eh bien, il entamera un dialogue avec l'opposition dans l'espoir de faire voter d'autres projets de loi de manière plus consensuelle. Il a également été question lors de cette conversation de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie, et Netanyahou a indiqué que la fameuse commission de planification des implantations ne se réunira pas prochainement. Toutefois, Netanyahou n'aurait pas pris le moindre engagement de geler la construction dans les implantations. Et puis on referme votre journal, Daniel, avec cette information selon des sources syriennes. Tsahal aurait bombardé durant la nuit des positions pro-iraniennes dans la région de Damas. En effet, des explosions importantes ont été entendues au milieu de la nuit dans la banlieue de la capitale syrienne. Les batteries de missiles syriens ont été actionnées pour déjouer les tirs imputés une nouvelle fois à l'armée de l'air israélienne. Selon les Syriens, la plupart des missiles tirés par les avions de Tsahal auraient été interceptés. Apparemment, deux soldats syriens auraient été blessés. Selon l'opposition syrienne, les sites ciblés par les avions de Tsahal seraient des hangars d'armes destinés au Hezbollah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov.
Bonjour, Boker Tov. Journaliste, écrivain et on va dire expert dans le cas précis des relations dans les relations entre Israël et les États-Unis. On vous a sollicité bien entendu autour de cette visite du président Herzog aux États-Unis, la rencontre hier avec Joe Biden, aujourd'hui son discours devant les deux chambres du Congrès américain, tout ça dans le contexte omniprésent de la réforme judiciaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Est-ce que Joe Biden a joué le jeu ? Il a voulu montrer son amitié, l'amitié des traditionnelle des États-Unis envers l'État d'Israël, tout en essayant de faire passer un message clair au président israélien, à savoir, il faut tout faire pour faire freiner la réforme. Le comportement de Joe Biden personnellement, et le comportement de l'administration Biden depuis quelque temps est purement et simplement extrêmement hostile au gouvernement d'Israël, au gouvernement qui quand même résulte d'élections démocratiques qui ont eu lieu le 1er novembre dernier. C'est une hostilité qui rappelle les pires moments des crises dans le passé entre une administration américaine et un gouvernement israélien, quelle que soit d'ailleurs sa couleur. On se rappelle, par exemple, des difficultés qui ont existé à l'époque du président Carter. On se rappelle qu'il était un démocrate. On se rappelle des tensions qui ont existé à l'époque de George Bush père, à ne pas confondre avec George Bush fils, qui était lui un républicain. À cette époque-là, il y a eu un conseiller important, à l'époque de George Bush père, il y a eu un conseiller politique important du président qui avait eu une boutade, qui a été reprise à l'époque dans la presse. Il est temps de jeter Israël sous l'autobus, ce qui est une manière de dire on en a marre d'Israël, il faut mettre Israël au pas. Nous sommes dans une atmosphère de ce type actuellement entre l'administration Biden et Israël. Je m'attendais à ce que vous alliez me disiez. Et le gouvernement d'Israël. Alors, l'administration Biden, par ailleurs, ne peut pas ne pas savoir que cette attitude met mal à l'aise une très grande partie de la communauté juive américaine et même une partie assez importante de l'opinion publique américaine en général. Et donc, pour arrondir les angles, la solution de compromis qui a été choisie, c'est de marquer le côté intangible des relations d'État à État entre les États-Unis et Israël en invitant le président de l'État d'Israël et en l'invitant à s'exprimer devant le Congrès, ce qui est le maximum, disons, d'honneur politique que l'on peut faire envers un homme politique étranger aux États-Unis. Alors, je voudrais reprendre une phrase que vous avez dit à l'instant. Vous avez dit que la politique menée actuellement par Joe Biden était à l'opposé, on va dire, de l'esprit qui règne dans la majorité du judaïsme américain. Mais on a l'impression, on sait que la majorité, on va dire, des juifs américains sont démocrates. Et on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, c'est ce que l'on dit dans les couloirs, que ce sont les juifs américains qui répercutent en fait les échos de ce qui se passe ici en Israël via leurs amis de la gauche ou du centre en Israël. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais les choses en réalité sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que il est vrai que il y a des liens, on va dire, organiques entre une partie importante de la communauté juive américaine actuelle et cette partie de l'opinion israélienne qui est aujourd'hui dressée contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ceci est tout à fait incontestable. Il est incontestable aussi que la plupart des juifs américains ou des personnes qui aux États-Unis se définissent comme juifs ont tendance à voter pour le Parti démocrate et par penser que démocrate et juif, c'est pratiquement quelque chose de synonyme. Il y a une partie qui grandit dans la communauté juive
américaine qui ne rentre plus, évidemment, dans ce schéma. Alors. Mais au-delà de cela, il y a tout de même un inconfort très grand au sein de l'opinion juive américaine dès que l'on s'approche d'une confrontation vraiment totale entre un gouvernement américain et un gouvernement israélien. Et ce genre d'inconfort peut, dans certaines circonstances, aller très loin. Rappelez-vous que nous entrons quand même dans une période électorale aux États-Unis. Nous nous rapprochons maintenant de la préparation de la prochaine élection présidentielle américaine. Est-ce que Joe Biden, en dépit de son âge, se représentera ou, si j'ose dire, sera représenté en tant que candidat démocrate? Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera pressenti pour le poste de vice-président? Tout ceci crée une situation où les Juifs américains, à la fois en tant qu'électeurs, mais aussi en tant qu'influenceurs et aussi en tant que contributeurs importants au processus politique américain, les Juifs américains sont très engagés sur ce plan-là, vont jouer un rôle. Donc, alors, je voudrais comprendre un point. À votre avis, Michel, est-ce que lorsque Joe Biden fait passer ses messages par Tom Friedman, par le président Herzog, concernant la réforme, est-ce que c'est la réforme qui le préoccupe vraiment, ou alors ce qui l'embarrasse beaucoup plus, c'est la composition du gouvernement Netanyahou, c'est Smotrich, c'est Ben-Gvir, c'est la politique d'implantation? Écoutez, la campagne actuelle en Israël contre le gouvernement israélien, régulièrement élu et régulièrement investi, il faudrait sans arrêt revenir là-dessus, ou bien on joue le jeu de la démocratie ou bien on ne le joue pas. Oui. Donc, cette campagne a commencé avant même que le gouvernement ne soit totalement constitué, avant même que ce gouvernement n'ait prêté serment à la Knesset, et bien longtemps avant que des projets de réforme soient arrivés. Quant à vouloir diaboliser tantôt les Haredim, tantôt Smotrich et Ben-Gvir, soit dit en passant, nous connaissons les différences importantes qu'il peut y avoir sur beaucoup de plans entre les Haredim d'un côté et le milieu Smotrich-Ben-Gvir. C'est une tactique disons, la partie la plus à gauche de l'opinion israélienne a toujours utilisé depuis la création même de l'État. J'ai retrouvé depuis il y a quelques jours un texte extraordinaire. Au moment des premières élections, législatives israéliennes, l'élection de la première Knesset juste après l'indépendance. En 49. Les travaillistes, les socialistes, à l'époque on ne disait pas encore tout à fait travaillistes, l'ensemble des partis de gauche dirigés par Ben-Gurion, par David Ben-Gurion et par Moshe Charette, avaient une peur, c'était que de se trouver devant une opposition dirigée par Menachem Begin, qui était quand même auréolée par son combat très important contre les Britanniques les années précédentes. Ils avaient donc très très peur d'une montée de Begin. Et il y a eu, de la part des milieux socialistes israéliens du pays qui venait juste de naître, une campagne dirigée vers le judaïsme américain qui était quand même à l'époque le principal soutien politique et le principal financier de l'État qui était en train de naître. Il y a eu une campagne, une violence inouïe contre Menachem Begin. Il y a eu des pétitions de personnalités annonçant que Begin était un fasciste et que l'arrivée d'un Begin au pouvoir allait signifier que la démocratie israélienne serait mort-née. Vous avez eu des personnalités telles que Albert Einstein, Albert Einstein, mais qui est non seulement le génie que l'on sait, mais qui par ailleurs a été un juif extrêmement
engagé et un soutien vraiment déterminé de la création de l'État d'Israël, on a vu Einstein signer ce genre de manifeste complètement aberrant. Ce genre de tactique consistant à systématiquement diaboliser la droite et à ignorer complètement ce qui se passe par ailleurs à gauche. Ce système est un système ancien que l'on réussisse à utiliser tout cela dans l'opinion américaine vis-à-vis des juifs et vis-à-vis des non-juifs, c'est certain. Mais il faut comprendre tout de même que nous ne sommes pas ici devant quelque chose de nouveau et il n'y a pas quelque chose... D'ailleurs, vous avez mentionné 1949, mais les éditorialistes israéliens qui ont une certaine mémoire se souviennent de 1977, lors de la victoire de Begin au pouvoir. Bien entendu. Aujourd'hui, Begin est encensé, mais à l'époque, il était considéré comme un terroriste. Tout à fait, oui. Enfin, voilà. C'est... Si vous étiez Yitzhak Herzog, quel serait le type de message que vous feriez passer aujourd'hui au Congrès américain? D'ailleurs, par ailleurs, un Congrès américain qui reste massivement pro-israélien. On l'a vu encore à travers une résolution qui a été votée, si je ne m'abuse, la nuit dernière ou il y a quelques jours, où on voit un engagement clair de la part de plus de 450 élus des deux chambres du Congrès américain en faveur d'Israël et où on voit véritablement la seule marge progressiste, ultra-progressiste de 7 ou 8 ou 9 députés qui s'opposent à Israël. Oui, ça reste un fait absolument fondamental de la politique américaine. En termes politiques et en termes d'opinion publique, l'Amérique reste massivement pro-israélienne. Vous avez les Juifs américains qui... continuent dans leur très grande majorité à avoir un lien existentiel avec l'État d'Israël, même quand ils ne comprennent pas grand-chose à la politique intérieure du pays juif. Vous avez ensuite un important milieu chrétien qui soutient Israël pour des motivations chrétiennes, mais c'est un soutien qui est très important. Et enfin, vous avez... un nombre très important de faiseurs d'opinion et d'analystes américains qui comprennent très très bien l'importance d'Israël dans un jeu planétaire devenu extrêmement compliqué et qui comprennent par exemple très très bien que le maintien et le développement des accords d'Abraham pourrait avoir des conséquences très importantes, non seulement pour Israël, mais pour le monde arabe, mais pour la présence américaine et occidentale au Moyen-Orient. Alors, vous pensez que, donc, quelque part, on se retrouve vers une crise, on va dire, relativement aiguë entre Netanyahou et Biden, entre le gouvernement actuel et l'administration américaine. Est-ce que, justement, en perspective des élections... il y a une possibilité, ça va se durcir ou au contraire, ça peut s'atténuer justement en perspective des élections 2024? Je crois que l'appareil actuellement, oubliez Biden, je ne sais pas exactement comment fonctionne Biden aujourd'hui, mais l'avis général, c'est que au mieux, il n'est que le primus inter pares, que le premier au milieu d'un... on va dire, d'un grand conseil de gouvernement dans lequel ses conseillers, ses ministres jouent au moins un rôle aussi important que lui. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons au sein de l'administration démocrate une tension, un conflit entre un milieu qui est de toute manière anti-israélien, qui est de toute manière complètement converti au narratif anti-israélien que nous connaissons par exemple dans les pays européens depuis maintenant plusieurs décennies. Et d'autre part, les gens qui font marcher la machine électorale du Parti démocrate. Et ces gens-là disent que si l'on continue, si l'administration continue à avoir un positionnement
ressenti comme anti-israélien, cela va avoir des conséquences dramatiques en vue des primaires d'abord et ensuite en vue de l'élection. Il y a beaucoup de gens qui jouent un rôle important, qui apportent des contributions à tel ou tel autre candidat, qui pourront se démobiliser dans une situation de crise. Donc actuellement, il y a au sein de l'administration démocrate une situation disons, d'épreuve de force entre ces deux milieux, ces deux approches. Pour l'instant, l'administration a choisi de noyer le poisson en invitant le président Herzog. Le président Herzog a le profil idéal pour que on n'aborde pas les vrais problèmes. Donc, ça permet à l'administration ça lui permet à peu de frais de dire, vous voyez, nous sommes toujours des amis incontestables d'Israël. Ça permet évidemment de rassurer le judaïsme américain. Ça permet de rassurer les pro-israéliens, même en dehors de la communauté juive. Et je n'ai pas de doute sur l'intelligence du président Herzog. Je suis persuadé qu'il fait le maximum pour effectivement désamorcer les tensions qu'il a le sentiment précis de ce qui se passe actuellement dans la crise intérieure de son pays. Mais la réalité, elle ne se situe pas à ce niveau. Alors, nous savons que... Il nous reste une minute, hein, Michel, une minute. Sous des pressions extrêmement fortes de cette partie de son entourage qui se préoccupe des prochaines élections. Le président Biden a annoncé que on recevait le président de l'État d'Israël, c'était une chose, mais qu'il allait également recevoir pour une visite de travail le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, qu'il snobait depuis l'élection du 1er novembre. Donc, nous voyons un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, et la clé, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer réellement au sein du judaïsme américain. Le judaïsme américain, vous savez, on peut dire qu'il se divise en trois catégories. Michel, on est obligé de mettre fin à l'interview parce que nous approchons de la revue de la presse. Je voudrais vraiment vous remercier de votre éclairage ce matin. Donc, autour de cette visite du président israélien Yitzhak Herzog aux États-Unis à la Maison Blanche, sa rencontre avec le président Biden et aujourd'hui son discours devant les deux chambres du Congrès américain. Merci encore, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous ce matin pour votre analyse. C'était un plaisir. Les premières pages des quotidiens israéliens sont ce matin quasiment entièrement consacrées aux différentes répercussions de la réforme judiciaire. En effet, le Israel Hayom titre ce matin « La ligne rouge à ne pas dépasser » et il nous montre une photo de pilote de Tsahal, plusieurs pilotes de Tsahal que l'on ne peut pas identifier parce qu'ils portent leur casque, mais on a du mal à imaginer qu'il s'agit de quelques-uns de ces 161 pilotes réservistes qui ont exprimé leur souhait de ne plus servir dans la réserve militaire. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement cette photo présentée par le Israel Hayom a été fournie par le porte-parole de Tsahal, le Dover Tsahal, et que les pilotes ont l'air particulièrement jeunes et apparemment pas être des réservistes. Une illustration donc plutôt limite de la crise qui secoue actuellement l'armée de l'air israélienne autour justement du dossier des pilotes réservistes. Le général Tomer Bar, commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, a déclaré étudier les conséquences de la lettre de ces 161 pilotes donc qui ont exprimé le souhait de ne plus servir dans Tsahal. Et dans le Yediot Aharonot, le même commandant en chef de l'armée de l'air appelle les pilotes à ne pas cesser leur service militaire volontaire. Le Yediot Aharonot lui titre en exclusivité sur un extrait de la conversation entre le général Tomer Bar et certains des officiers réservistes de l'armée qui lui disent « Nous sommes déchirés, notre confiance en ce gouvernement est totalement brisée ».
Les deux quotidiens évoquent aussi la journée de perturbation d'hier qui s'est terminée dans un chaos assez massif sur le boulevard Caplan. Oui, le Israël Hayom nous montre le quai d'une gare pris d'assaut hier par les protestataires anti-réforme. Quant au Yediot Aharonot, il nous montre une photo du canon à eau de la police qui a fait hier des heures supplémentaires sur le boulevard Caplan. Près de 70 arrestations au cours de cette journée de perturbation. Et si le Yediot se fait l'écho de la marche de protestation de Chikma à Bressler, l'une des chefs de file du mouvement qui a décidé tout simplement de monter à pied de Tel Aviv à Jérusalem, une décision prise presque arbitrairement hier au milieu de cette protestation sur le boulevard Caplan. Les journaux et les sites d'information soulignent également qu'aujourd'hui les services de santé publique seront paralysés pendant 2 heures à la suite d'une décision de faire grève prise hier par le syndicat des médecins israéliens, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Alors, quels sont les propos des éditorialistes ce matin dans la presse et sur les sites d'information, Daniel ? Avant de vous faire partager les réflexions écrites des éditorialistes, je vous propose une caricature de Yotam Fishbein dans la page éditoriale du Yediot Aharonot. On y voit Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, assis devant sa télévision en train de regarder justement un reportage sur la crise au sein de l'armée de l'air liée à la réforme judiciaire. Nasrallah savoure un cordet de pop-corn et lance « C'est le meilleur film de l'été ». Vous aurez compris l'allusion. Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot, se demande ce qu'il faut de plus pour que le chef d'état-major, le patron du Mossad et celui du Shin Bet aillent voir Benjamin Netanyahu et lui disent « ça suffit ». Et elle se demande si ce n'est pas d'ailleurs la bouée de sauvetage que le Premier ministre est en train d'attendre. Le Israël Hayom nous livre le message de mise en garde d'un combattant réserviste anonyme des commandos Matkal qui estime qu'il faut cesser ces menaces qui affaiblissent Tsahal. Le service dans l'armée doit rester un tabou à respecter, écrit-il ce matin. Pour Ron Shapira, lui, il constate que cela fait des années que nous allons vers la division et les confrontations actuelles ne vont pas faire disparaître cette division rapidement. Quant à Yasmine Levy, dans le Haaretz, elle déplore que le chef d'état-major de Tsahal ne s'exprime pas plus fermement pour mettre en garde Benjamin Netanyahu sur les dangers de la réforme. Il aurait dû renverser les tables, écrit Yasmine Levy. Le Yediot Aharonot publie ce matin un éditorial important du juriste, le professeur Yuval Albashan. Oui, il faut rappeler que le professeur Albashan est un juriste très renommé en Israël qui se positionne, on va dire, au centre-gauche et qui depuis plusieurs mois œuvre afin de trouver un compromis entre partisans et opposants à la réforme. Dans son éditorial aujourd'hui, Yuval Albashan remet les pendules à l'heure. Lui qui est opposé à l'essentiel de la réforme de Yariv Levin, reconnaît que lorsque Netanyahu a décidé de promouvoir seulement la réduction de la clause de raisonnabilité au début de la session d'été du Parlement, c'était parce qu'il avait vu que ce dossier pouvait aboutir à un consensus. S'il y avait même des brouillons d'accord sur ce point à la présidence de l'État, affirme Yuval Albashan, qui reconnaît même que Levin et Rotman avaient accepté des concessions à ce sujet lors des pourparlers. Et il déplore donc que finalement ce soit les radicaux qui aient eu le dernier mot dans ce dossier, qui aient transformé le dialogue en un véritable bras de fer. Il parle de l'alliance des zélotes, ceux du mouvement anti-réforme et ceux du gouvernement israélien. Selon lui, la balle est actuellement dans le camp de Benjamin Netanyahou. Si le Premier ministre le veut, il peut encore insérer des nuances dans le projet de loi sur la raisonnabilité. Certes, cela n'arrêtera pas les manifestations, mais cela peut arrêter, je cite, la catastrophe. Les quotidiens israéliens, Daniel, consacrent également une partie de leur première page à la rencontre d'hier entre Yitzhak Herzog et Joe Biden. Oui, les journaux nous montrent la photo où le président américain pose amicalement le bras sur l'épaule du président israélien hier dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Le Yediot lui cite en titre Herzog qui a déclaré « Joe Biden œuvre parce qu'il est réellement inquiet pour l'avenir d'Israël ». Et le journal cite Joe Biden qui a affirmé que l'amitié entre Israël et les États-Unis ne sera pas remise en cause. Jonathan Liss dans le Haaretz nous livre une autre réflexion du président Biden qui a dit à Yitzhak Herzog que la crise interne en Israël portait atteinte à la promotion de démarches, a-t-il dit, régionales importantes. Parmi les commentaires liés à cette rencontre au sommet, nous avons retenu celui de l'ancien ambassadeur d'Israël à Washington, Mike Oren, qui pose ce qui est pour lui la question cardinale. Est-ce qu'il existe une contrepartie que les Américains peuvent fournir à Benjamin Netanyahu en échange de l'abandon par le Premier ministre de la réforme judiciaire? Et Mike Oren avance 3 options. Un rapprochement entre Riyad et Jérusalem, l'attribution d'une dispense de visa d'entrée pour les Israéliens et un engagement à améliorer les capacités militaires d'Israël, surtout face à la menace du nucléaire iranien.
Et puis nous refermons cette revue de la presse israélienne avec vous, Daniel, et avec une information plus souriante. C'est un reportage, il s'agit d'un reportage sur les origines juives de la célèbre poupée Barbie. On sait que le film sort aujourd'hui. Voilà, effectivement, à l'occasion de la sortie de ce film sur cette célèbre poupée, le département culture de la chaîne i24 News a diffusé un reportage sur les origines juives de Barbie. Eh bien, il s'avère que la créatrice de Barbie est en effet une juive d'origine polonaise, Ruth Handler, qui s'est installée aux États-Unis pour fuir les pogroms. En 1945, après la guerre, elle pousse son mari à créer la célèbre entreprise de jouets Mattel, et c'est elle ensuite qui décide de créer une poupée pour sa fille Barbara. Et ce sera donc la poupée Barbie. Le reste appartient à l'histoire. Un reportage sur i24 News qui, soulignons, célèbre ces jours-ci son 10e anniversaire.